Not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Starving. On a 3 litres d'eau. Il va falloir faire de l'eau et vite. À la maison, à la base, à notre petite bazounette, j'ai déjà un litre qui est posé par terre, donc à la limite on fera ça. On a, c'est bien. À la limite, si c'est vraiment on doit jeter des choses, on jettera les marteaux, parce qu'on en a deux, c'est un peu... pas très très intéressant d'avoir deux marteaux. À la limite, j'aurais dû en laisser un dans la maison. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. En tout cas, il fait jour, on y va. À remarquer qu'on a récupéré beaucoup de vie. Je suis assez content. Oh la vache. T'es sérieux ? Il fait aussi froid. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Quarante kilos. Qu'est-ce qu'on jette? Ça c'est 0,25. Après on a des bûches de 50 grammes. 500 grammes, pardon. Pas 500. Ou alors on jette un marteau comme j'ai dit. Je pense qu'on va avoir besoin du bois de chauffage. Du cèdre, parce que c'est... Ça va nous permettre de nous donner en fait beaucoup de... De feu. De chaleur, pardon. Je cherchais. De chaleur. Et la chaleur, on aura besoin. On en aura besoin. Pour. Ça va, Bob? Pas tes copains, les corbeaux. Pour. Plus tard, quand on ira pour faire, vous savez, la hachette et le couteau, bah, il va nous falloir de la chaleur. Donc. Quelque chose pour le monter. Pour monter la chaleur, c'est bien. Oh putain, il y a des loups là-bas. Et après, utiliser le charbon par-dessus. C'est bien ça. Parce que le charbon, en fait, donne énormément de temps. Je crois qu'un charbon, c'est 2 heures, un truc comme ça. J'y suis allé à celle-là ou pas? Je sais pas. S'il n'y avait pas de vent, franchement, je sortirai une torche et j'allumerai un feu là parce que... Oh merde. Non, on n'est pas venu ici. J'ai l'impression que c'est le moment de faire un feu. Allez! C'est l'heure de faire un feu.
Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais... On va voir un peu déjà les pourcents. La loupe marche pas. Si vous vous rappelez... Attendez, faut que je me concentre. Voilà, la loupe. Alors, je sais pas s'ils l'ont corrigé. S'ils l'ont corrigé, ça va pas marcher, mais la loupe marche sur ça. C'est-à-dire que s'il fait beau temps, c'est pas logique, hein, mais s'il fait beau temps, vous allez pouvoir utiliser la loupe dans ces petits trucs de bois là, de feu là, à l'intérieur. C'est étrange, hein, mais bon, ça marche. Pourquoi on fait un feu? Déjà, c'est pour éviter de crever de froid. Et c'est parce qu'il y a des loups aux alentours, c'est trop la merde. Faut qu'on fasse cuire la viande et faut que je sorte avec des torches. C'est là, on va en crever, là. Et on va crever, là, si on continue. On va se faire attaquer. Ça va mal finir. Voilà, par contre, encore 3 degrés, 2 degrés... C'est bon. On va perdre un peu de temps. Voilà, on va perdre un peu de temps. Et si tout se passe bien, je vais récupérer plusieurs torches. Comme ça, on va faire un feu chez nous. On va essayer de garder une torche. Comme aux Jeux Olympiques. On va faire les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on va garder la torche allumée. On va en créer plusieurs. On va les allumer les unes après les autres jusqu'à notre camp. Comme ça, déjà, on sera protégé par le feu, c'est bien. Et de deux, on fera un feu chez nous, on pourra faire de l'eau. Parce que là, si on commence à faire des litres et des litres d'eau, ça va pas marcher, quoi. On sera trop lourd. Ok, maintenant il fait pas beau, mais... Tu peux voir un peu les torches qu'on a, c'est de la merde, non? 36, 23, 23, c'est un peu de la merde. Ouais, c'est le moment. J'aime pas commencer avec des torches de merde comme ça. J'ai un peu peur en fait. J'ai un peu peur en fait de changer de torche. Oh putain. Allume-la vite. Allez, c'est bon, on se casse. Ouais, ouais. Je vois, tu me vois, on se voit, j'ai du feu. T'approches pas. Non, non. J'ai du feu. Tu me vois, je te vois. T'approches pas. Je sais, tu cours pas parce que j'ai du feu. Vous voyez, on peut faire feu, 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 comme ça. Oh putain, par contre, le vent se lève. Oh mon dieu. me fais pas un coup de pute. Ah, il sprint pas, il trottine encore, ça va, on est bon. Non, non. Non, non. Pêche. Non, non. Voilà, très bien. J'ai... Non, franchement... Je faisais peut-être le malin, mais j'avais tellement peur qu'il me fonce dessus, j'étais prêt à lâcher un appât, mais... En fait, j'avais peur que le vent me souffle complètement le feu, en fait. Come on, little fire. Mais ça va. On va refaire du feu, y a pas de problème. On utilise ce qu'on a en réserve de bois, je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Parce que là, on a trop d'objets sur nous. Je
J'aurais dû regarder le pourcentage de la torche. C'est pas bon ça. Faut qu'on récupère des bonnes torches. T'éteins pas. Enfin non, c'est débile ce que je fais. Parce que là, je peux pas l'éteindre. En fait, je voulais... C'est débile ce que j'essaye de faire. Je voulais éteindre... En fait, je voulais transférer le feu, utiliser celle qui a pas beaucoup de pourcentage. Mais une fois qu'elle est par terre, la torche, elle va se consumer. Enfin, je peux pas, il n'y a pas de moyen de l'éteindre si j'en tiens une dans la main déjà. Donc c'est débile ce que j'étais en train de faire. Par contre, on va utiliser de l'essence si ça marche pas, là, parce que là, ça prend trop de temps. Et en plus, c'est une torche en très bon état que j'ai, donc je veux... Ok, tu m'as saoulé. Voilà, c'est bien. Alors, fais voir un peu. Alors, fouillons un peu. Une heure de feu, on n'a pas froid, c'est bien. Ça, non. On va rester comme ça. Nos vêtements, on va pas les changer pour le moment. En plus, je dois dire que c'est joli. On recycle. Celles qui sont à 20%, on va les recycler. On va les refoutre au feu et avec de la chance, on va récupérer des meilleures torches. Très bien. Alors. Je pense pas qu'on ait des méga torches, mais... Je crois qu'il faut... Je crois que c'est lié à la puissance du feu. Je crois qu'il faut un gros feu pour avoir des grosses torches. Pour avoir des gros pourcentages de torches. Par contre, j'ai le vent. Faut vraiment qu'il s'arrête parce que sinon on va être dans la merde. Hein. On va pas pouvoir sortir quoi. Ouais, je pense qu'il faut des feux beaucoup plus forts. Ça passe, mais... C'est pas la joie quoi. De ma gueule. Il y a du vent. Faut qu'on attende que lui parte.
Très bien. T'as pas à me dire qu'il revient. Putain, des chiens. Faut pas qu'il court vers nous, en fait. J'ai pas l'air quoi à sortir des torches, là, comme ça. Ok, là, on a mieux. Parce que le feu, il était plus long, plus grand. Bon. Plus trop de vent. Putain! Ah! Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Ce serait bien que ça se calme. Comme ça, on puisse rentrer chez nous, quoi. Alors, il y a deux options. Ou on rentre chez nous directement, on trace. Ou alors d'abord on fait une pause. Oh la vache. Ou alors on fait une pause autre part. Et je veux pas que le feu s'éteigne. Ah, mon Dieu. S'il vous plaît, mère nature, arrêtez d'être une... Ah putain, je me suis dit, c'est quoi Céline dans le ciel? Il est là-bas. Je sais, c'est long, c'est lent, je sais pas trop quoi faire, je... Je suis légèrement... Légèrement perdu. Ah, il m'a senti. Je crois qu'il est en train de faire le tour. Il y a un cerf. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de loup. Vous savez, c'est contradictoire. Ce qui est bien, c'est qu'il... Ah, putain, t'as toujours sommeil, toi. Ce qui peut faire office de diversion, en fait. Bon. Ah, il est en train de me suivre à la trace. Bon, vu que c'est la merde, on va dormir là-bas. Je sais qu'on peut dormir là-bas. Parce que là, j'avoue que je suis un peu déçu du temps. J'avais un plan parfait, genre faire du feu, tout ça, machin, garder la torche et tout, etc. On allait faire les Jeux Olympiques, j'étais content. Mais laisse tomber, quoi. Par contre, je veux monter. Oh mon Dieu, vas-y, Torres. Ok, très bien. Oh, me dis pas qu'il y a plus de vent maintenant. Il y a quasiment plus de vent. Oh. Vas-y, putain, c'est chiant. Oh la vache. Putain, Torres, arrête. Genre, fallait attendre genre 10 minutes, c'était bon, quoi.
Ok. Ok, bah du coup, on fouille encore plus. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, je préfère. Hein. Moi, je suis content de fouiller. Hein. On fait tout très vite. Enfin, dans un sens, on fait quasiment toute la map en 2-3 jours. C'est bien, 2-3 jours dans le jeu. Donc, c'est bon. Je pense qu'on va essayer de rentrer. Je pense que ça vaut le coup maintenant. On devrait être bon. Il n'y a pas trop de vent, tout ça. Ça se passe bien. Ah, ça va, il jette les boyaux maintenant. Enfin, elle jette les boyaux en premier. Ça, c'est bien. Donc, si jamais il y a un problème, on pourra balancer des boyaux pour les loups. Non, non, ça va. On est bon. On va faire le chemin. On va se baisser et on fait le chemin. On est reparti sur le chemin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, ok. Alors, le problème, c'est que... Attends. On est fatigué en plus. Le truc, c'est que je pense qu'on risque de mourir de fatigue avant qu'on arrive au camp. Et je crois que là, on vient d'avoir une aubaine. Alors, attends. On va faire un changement de tactique. On va plus rentrer à la maison. On va récupérer la viande. Alors par contre, il va falloir lui faire peur. Ça va être la merde. Eh, le chien. Va falloir que tu lâches. Ouais, je sais. C'est ta proie, mais... Va falloir que tu lâches. Il va pas lâcher ce con. Si je te dépose un truc là. Non. Oh putain, ça fout les boules par contre. Je vais faire un feu à côté de toi. Yes, ça a marché. Oh merde. Comment on arrête le feu? Ça a marché. Oh merde. Ça sert à rien de faire un feu ici. Tant mieux. Ok. Par contre... Oh la vache, t'es revenu, connard. T'inquiète pas. On est tranquille, on risque rien. Voilà. Ils ont peur des gros feux. Des torches apparemment pas trop, mais des gros feux oui. Avant on pouvait la brandir la torche. Maintenant, à moins que je me trompe, on ne peut plus. Et ça c'est un problème. Parce que si on leur balance la torche à la gueule, bah du coup on n'a plus rien quoi. Ça veut pas dire qu'ils vont fuir en fait. C'est assez dangereux. Enfin bon. Ce qui est bien là, c'est qu'on va pouvoir récupérer la viande directement. Et je crois qu'on va dormir là tout simplement. Hein, parce que sinon, on va crever de fatigue sur le chemin. Je pense qu'on va récupérer pas mal de viande. Parce que le loup a pas eu le temps de tout manger, je crois. Perfect. Enfin, j'espère en tout cas. Un peu les torches. Une heure. Eh, yes, c'est ça. C'est bon. 1h15. Oh putain. On peut tout prendre en 2 heures. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ah merde, c'était avec la... Fais voir. Ah. Non! Oh, le temps de merde, quoi. Ah, mais c'est bon, je peux quand même prendre.
Ok. C'était pas malin du tout de faire ça. Oh la vache. On a pris toute la viande. On a pris toute la viande. Ouais, là il court, il court. J'espère qu'il court pas après moi, ce con. J'arrive pas à monter. Oh la vache. Oh putain. Ok, donc là j'ai un peu agi vite. Et c'était pas très malin parce que ça m'a coûté beaucoup de vie en fait. J'aurais dû déjà boire. Boire en fait c'est ce qui nous a tués. Et puis après on a eu le froid, donc j'ai dû me dépêcher de faire un choix. Où on restait, on le faisait, ou alors on crevait quoi. Ou on le faisait pas. Donc bon. Bon, ça va. Non, ça aurait pu être extrêmement pire. Ça aurait pu être extrêmement pire. On a beaucoup de viande en fait. Du coup, on a 8 kilos de viande. Waouh, ok, cool. Ah ben, ouais, ça c'est bien. Moi j'aime beaucoup, les occasions en fait, qui apparaissent de temps en temps. C'est rare, il faut vraiment vite choisir, il faut vraiment penser si ça vaut le coup ou pas. Mais là, ça vaut vraiment le coup, là, par contre. Hop, là j'ai déposé toute la viande. Ok, j'ai déposé toute la viande. On est encore un peu fatigué. On pourrait casser des trucs le temps de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, une caisse. 15 minutes. Parce que autant perdre un peu de temps qu'elle soit vraiment fatiguée, quoi. Soit vraiment fatigué. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? 3 heures? Oh la vache. Celle-là c'était 2h15. Pour 6 machins. Après le problème c'est qu'il faut réfléchir parce que on va devoir transporter la viande en fait. Donc ça va être... On va être trop lourd. On va être trop lourd. Ça sert à rien de récupérer plus de bois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger, on va se goinfrer et on va passer 10 heures. On va dormir 10 heures, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Ça, c'est 2 canettes, je crois qu'elles donnent à boire aussi, donc ça va, on va pouvoir survivre. Le problème, c'est qu'on a dû faire du feu un peu à la va-vite. Moi, j'aime pas trop faire ça, mais bon, c'est comme ça, hein. Des fois, voilà, on a tenté, puis on a gagné quand même de la viande. Allez, 11h. Ok, on se lève. Je crois qu'on a récupéré énormément de vie. Ouais, on est à combien? 68%, c'est très très bien. On a encore 100 calories... On est à 29 sur 30. Oh, ça va, ça va, ça va. Bon, par contre, faut récupérer les trucs que j'ai foutus sur le sol. Alors, attends, la porte, elle est là. Oh, putain. Ah. Ok. J'avais 3 boyaux. Ouais, 3 boyaux et 2 pots. Donc, on a... Le compte est bon. 2 pots. 3 pots. Ok. 3
trois bails. Ok, ça marche. On se baisse et on sort. Et maintenant on prie. Oh putain, tout ce qu'on a quoi. ...41 kilos, oh la vache. Oh, ça va. Elle dépose les boyaux en premier. Ce qui est bien, c'est que... elle dépose les boyaux en premier, quoi. Une chose que je pourrais faire à la limite, mais bon, ça serait un peu... ça serait un peu gâché quand même, je trouve. Enfin, pour moi. C'est... refaire un feu. Mais encore une fois, ça nous fait d'utiliser des allumettes. Et on est à l'air libre. Donc s'il y a un coup de vent, c'est fini quoi. Mais refaire un feu et récupérer les boyaux. Parce que je crois qu'il y en a 4. 3 ou 4. Et la peau, ça serait bien. Mais bon, on fera ça une autre fois. On fera ça une autre fois. En tout cas, je suis assez content. Ouais. Je suis assez content de moi. Waouh, la lune, putain. On a une belle prise. On a eu une très belle prise de viande. Maintenant, on va devoir faire attention à pas se faire attaquer. Je crois qu'on doit aller là-bas aussi. Je crois que je l'ai pas faite celle-là. On n'est pas super loin, mais bon. On n'est pas tout près non plus, quoi. Ça m'inquiète un peu, je vois pas de loup en fait. Enfin, je suis content, mais. Ils sont où, quoi? Et après qu'on rentre à la maison, on va faire un feu. À l'intérieur par contre. On va faire un feu à l'intérieur. On va cuire toute notre viande. Je crois que pendant un long moment, on va faire que cuire notre viande. Comme ça sera prêt. C'est bien. Et après on va pouvoir... fusée, cool. Avec le temps du feu qui nous reste, on fera beaucoup d'eau. Comme ça, on sera bon pendant 3 ou 4 jours, quoi. Un truc comme ça, ce serait bien. Ce serait l'idéal, en fait. Ah, oh, fait chier. Il y a un loup. Et il m'a flairé. S'il tourne à droite, de sa droite, donc pour aller vers moi, il m'a complètement flairé. Mais je crois qu'il trottine, donc là il m'a flairé en fait. Je crois que c'est mort. Ça va. Bon, j'espère qu'on va pas avoir de problème pour rentrer. Fait chier le élan là, l'élan. Près de nous, près de notre base. Comment tu veux jouer avec ça, quoi? Comment tu veux vivre avec ça à côté, quoi? Si le truc te fonce dessus à chaque fois. Il faudrait le baptiser. Il faudrait lui donner un nom. Vu que je crois que lui, on va se le taper pendant plusieurs jours. Il est où, cet abruti? Il est où, ce con? Bon, le truc qui est bien, dans un sens, c'est qu'il y a beaucoup de voitures maintenant. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas des voitures comme ça, aussi proches l'une des unes des autres. Donc, à la limite, ça nous... J'ai pas fouillé celle-là? Si, j'ai fouillé, mais j'ai pas ouvert le capot. C'est une erreur de ma part. Ouais.
Donc dans un sens, ça nous donne des protections, quoi. Ok, super. Ah putain, terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Ben j'en sais rien. On sort une torche. Ouais, bah, de toute façon, on sort une torche, parce qu'on va, on va les utiliser, donc... à la limite. Allez, on y va. En fait, j'ai moins peur du loup... quand j'ai une torche, que de l'élan, parce que l'élan, je crois qu'il s'en fout complètement de la torche. Ah, le loup, il va me grogner dessus, oui, ça, je sais. Il va me grogner comme un connard, mais il va pas m'attaquer, enfin, sauf si je m'approche trop. Si je m'approche trop, j'ai deux choix. Ou il m'attaque. Ou il me défonce. Ou il s'enfuit, donc faut pas trop s'approcher, en fait. Bon bah ça y est, on est rentré, enfin, putain. On est rentré avec des belles prises, je suis content. Je suis assez content de moi. Bon, maintenant ça va être le moment un peu chiant, on va faire que du feu et que... enfin, que du feu, on va faire que cuire et que de l'eau. Donc bon, pas très très intéressant. C'est bien le système des torches qu'on allume au fur et à mesure qu'on les met les unes après les autres là. Moi j'aime bien ce système de faire ça. Voilà, on va faire cuire ça. On a 2 heures de feu. Alors je crois que ça leur donne 50% de qualité en plus quand on les cuit. On va voir ça parce qu'ils étaient à 30 et quelques. 80, ouais. Je crois que c'est ça. Alors donc ce qu'on va faire, on va aller directement les poser à l'extérieur. Il faudrait que je me vide les poches par contre parce qu'elle est putain de fatiguée. Enfin, elle se fatigue beaucoup plus si elle est en... Oh merde. Ah, attends. Voilà. Sprinter, on va déposer déjà ça aussi. Il manque quoi? Ok, il manque la fourrée et les boyaux, ça faut le faire, ça faut le déposer, parce que en fait toutes les heures là qu'on fait à cuire, qu'on tout ça, on les perd. Je les mettrai mieux tout à l'heure, je les positionnerai mieux de tout à l'heure. Ok, on va faire un peu d'eau. Que je crois que je vais tomber à court dans pas très longtemps. Donc autant la faire maintenant. On a aussi une bonne réserve de bois tout autour en fait de notre bâtiment. On a des cagettes à détruire. Mais bon, c'est à l'extérieur, je sais, hein, mais c'est un peu dangereux, mais on peut faire ça. Devoir boire.
J'ai l'impression que ça met beaucoup plus de temps pour cuire maintenant qu'avant. Je sais pas si c'est moi ou... On va poser. On a plein de gibier, c'est cool. Plein de gibier, plein de lapins. Putain, franchement, là on est tranquille pendant plusieurs jours. Hein, et là, il n'y a pas de problème. Là, je sais même pas quoi faire. Dans un sens, j'ai même envie de... Déjà de partir, en fait. En expédition pour aller récupérer le couteau et la hachette. Par contre, il nous faut du métal, c'est ça le problème. Mais j'ai déjà envie de le faire, en fait. Parce que là, niveau réserve de nourriture, c'est parfait, on est bon. Il nous faut des réserves d'eau, par contre. Et là, on est tranquille pendant plusieurs jours. Hein. Sans problème. Yeah. Niveau supérieur. Par contre, la réserve de bois, hein, descend, mais ultra, ultra vite. Ça, c'est un peu la merde. Un truc aussi, ce qu'on aurait pu faire, enfin ce qu'on aurait dû même faire, c'est faire du feu la nuit. Parce que le jour, il faudrait mieux sortir et récupérer des choses, quoi. Mais le truc, c'est que... Vu qu'on a pris... On a allumé une torche pour faire peur aux loups en venant. Ça serait du gâchis de juste éteindre la torche, puis après... genre refaire un feu plus tard, quoi. Ça serait complètement du gâchis, vous voyez ce que je veux dire ?